passion, une de ses nombreuses passions, le cyclisme. Réponse à Karine. C'est bon, elle ne reverra pas la tête a priori. Au distance, pareil, Crashback, c'est pas mieux. Il est à 30 mètres devant Zachary. Ils ont perdu le contact. Il roule maillot jaune. En revanche, Christopher Froome est rentré. Oui, oui, oui. Enfin, après quelques risques au début de la descente, il est en sursis, mais il a pu faire la jonction. Dans ce groupe de tête, on retrouve donc Froome, Thomas, Bardet, Dumoulin, Landa. Il y a également Dan Martin, Zachary et Roglic. Alors, si personne ne fait de différence dans la descente, au sprint, attention, un garçon comme Dan Martin, peut-être. Ouais, Romain Bardet. Romain Bardet ou Geraint Thomas. Pourtant, Dumoulin, enfin, on touche, quoi. Ouais. Et puis, notre Roglic. Oui, mais Roglic, pour l'instant, il les a un petit peu. Ouais. Quelques longueurs d'avance là pour Primoz Roglic. On a laissé une petite cassure, 10 km de l'arrivée. Ouais, alors que Froome est venu se replacer dans la roue de Romain Bardet. Allez, 9 km et demi. Il y aura des modifications à prendre, évidemment, comme à l'arrivée de chaque étape. Hein. 6 et 4 secondes, le retard de Roglic sur Froome pour la troisième place. 16 secondes, c'était le retard ce matin pour Roglic. Alors que Quintana est à 5 minutes et 10 secondes, Quintana dans la descente de ce col d'Obispo.